Diable a pas voulu bien pour vous. Au contraire, l'a joué ensemble avec vous. Bon côté le besoin arrive ensemble avant vous. Jésus, c'est bon Dieu. Jésus t'est dû mourir sous la croix pour être capable de battre la vie, pour être capable de pardonner nous de tout péché. C'est ça nous dit en français, une mort substitutive. Cela veut dire que, à cause de la mort de Jésus, nous-mêmes tous nous avons pour nous mourir. Jésus t'est mort, il est ressuscité. Eh bien, au dernier jour, même si nous mourons, nous avons ressuscité tout. Mais, nous avons d'accord avec même que c'était un sacrifice que Jésus sacrifié ville pour être capable de pardonner les péchés, pour être capable de laver nous, pour être capable de faire nous une vie nouvelle. Et si nous appelons l'histoire bien après que, pas de aucun monde qui est voulu tuer Jésus. Au contraire, c'est Jésus lui-même qui te baille tête li. Et il te baille tête li et qu'il te accepte pour être capable de mourir sur la croix. Diable a pas voulu pour Jésus te monter sur la croix pour te faire sacrifice. Non, pas de c'est pas que diable a pas voulu que Jésus puisse mourir. Non? Mais il te voulait Jésus mourir d'une manière qui ne correspondrait pas avec écriture là, ça qui dit dans la Bible, il était vrai que et Jésus mourit d'une autre façon. Et puis Satan te connaît tout. Si Jésus a eu accepté by la ville en sacrifice, donc ça qui arrivait que il sauvait tout le monde net, ben qu'on salve pas beaucoup Satan parce que Satan a toujours besoin de joindre le monde pour faire disciple. Pour m'aider au puis bien comprendre, ben moi montre deux pièges diable a mette sous Jésus. Premier piège là, c'était les tentations. Diable a venu pour tenter Jésus. En lien avec Matthieu 4 verset 8, il dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et deuxième piège là, nous joignons dans Jean 5, verset 18. C'est ça que nous capables les religieux extrémistes. L'aime dit les religieux extrémistes, c'est un monde qui pense que y a plus que bon Dieu. Et comme si nous avons une religion qui, comme si c'est enjoué. En lien avec n'a plus bien compris dans Jean 5, verset 18, il dit, c'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Peut-être que dans un moment ça même, vous avez regardé la vidéo, ça, vous avez traversé sans doute des bagailles qui vraiment difficiles. C'est comme si vous sentiez tout ça vous avez fait virer contre vous. Tout le monde virer contre vous. Famille, amis, et même le monde qui dit que vous êtes chrétien ensemble avec vous. Vous sentiez que le monde ça vous a sorti pour vous humilier. Et même vindu que pas la guerre, qu'un bé faible. Diabla connaît exactement comment pour lui faire ou triste, qui j'en pour lui mettre doute la caillou, qui j'en pour lui faire ou penser avec mauvais souvenir, qui j'en pour lui mettre piège sous tout, qui j'en pour lui tenter ou. Diabla comme tout bagay ça. Bon bagay que lui, on vit Diabla, qu'est-ce qui plan Diabla? Le diable c'est battre à battre éloigné du plan de Dieu pour ta vie. Pour l'éloigner du plan bon Dieu gagné pour la vie.